ne veux rien comprendre. Il y a le petit gars qu'on appelle Franco là, c'est un petit qui est trop têtu. Franco le mignon, je lui ai dit qu'il doit prendre les cours. Oui. Être un influenceur, ça doit avoir des codes. Oui. Ça doit défendre. Non. Ça doit défendre les causes sociales. Mouton, tu viens d'arriver. Oui. Pose-toi, on aura le temps de parler de choses. Non, je ne peux pas me poser avec Franco. Franco, c'est un gars que normalement quand il rentre, il est dans le nap. C'est un grand frère qu'il faut qu'il se calme. Donc, il faut que Bachou Pod organise un combat singulier entre mouton. Je pars chez lui et je l'arrête, je le frappe. Tu lui tapes. C'est aussi simple que ça. Je pars chez lui et je l'arrête, je le frappe. Tu lui tapes. C'est aussi simple que ça. Voici un gars qu'on appelle mouton. Je ne veux pas donner ton vrai nom, mais tout le monde connaît ton nom. Qui à peine arrivé à Dubaï et est encore à l'aéroport. C'est mon nom qui sort de sa bouche. Franco le mignon. Voilà un gars qui dit qu'il doit me chercher de son retour de Dubaï, qui va m'attraper, me taper avec les coups de poing. Voilà un gars qui dit que je suis un têtu. Je ne sais sur quelle base. Je vais vous dire quelque chose. Mouton et moi, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu physiquement. Je pouvais écrire à Mouton pour lui dire ce que je suis en train de dire. Mais à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre la raison pour laquelle je préfère le répondre sur les réseaux. Mouton est arrivé à Dubaï. Au lieu de faire son business comme il a dit qu'il partait faire, c'est mon nom qui raconte partout. Faisons très attention des réseaux sociaux. Fais très attention parce que tu t'attaques même déjà à ma vie. J'ai tous les voices. J'ai tout ce que tu as dit de moi. Là, tu ne savais pas qu'on te filmait. Et tu ne savais pas pourquoi on te filmait. Et tu ne connais pas le showbiz. Comme tu veux montrer aux gens que tu es trop wise, que tu es trop fort. Tu es bleu dans le milieu où tu es. Fais très attention parce que quand tu traites avec des grandes personnes, méfie-toi. Tu arrives à Dubaï. Tu évoques encore l'affaire de Harold. Où tu dis que Alonso faisait quoi avec la main de Harold sans preuve. Où tu affirmes devant les autorités, des personnels, des hommes d'affaires que Franco le mignon a pris de l'argent à Alonso pour aller à Douala blanchir son image. Tu n'as pas toujours les preuves pour cela. Les gens m'appellent pour me demander de laisser cette affaire tomber parce que vous ne connaissez pas ce que Mouton a fait, m'a fait. J'ai perdu un contrat d'1,3 million, la période où Mouton a fait une vidéo pour expliquer que je suis un malhonnête sur l'affaire de Harold. Je n'ai jamais fait une vidéo pour expliquer ceci, j'ai gardé ça pour moi. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui sont désabonnées de ma page et des personnes qui ne me suivent même plus. À cause de ce problème-là, je suis allé sur le terrain et tout ce que j'ai dit jusqu'aujourd'hui, même si on arrive où, tout ce que j'ai dit ce jour-là, c'est la réalité et jusqu'aujourd'hui. Alonso ne m'a jamais donné un 5 francs et ce n'est pas Alonso qui me contacte. C'est moi qui appelle Alonso, appelle la voisine, appelle même, on appelle encore l'autre gars là quoi. On prend rendez-vous et la voisine fuit. Je vous avais expliqué tout ce problème-là. Mouton, toi et moi, on ne se connaît pas. Tu pars, tu racontes même aux gens, tu racontes. Au chef d'entreprise, comment? Moi, je prends des 100 000, les 50 000 aux gens pour saboter les gens. On m'a vu saboter quelqu'un? Tu m'as déjà vu saboter quelqu'un? Il y a des entreprises qui me contactent même qui ne sont pas légales, qui ne sont pas légalisées, que je refuse de communiquer. Je ne communique pas pour les entreprises qui n'ont pas d'agrément. Il y a même une entreprise qui m'a contacté avant-hier. Ils voulaient me payer. Ils font dans là où c'est l'hébergement ou c'est quoi, la crèche à Douala, pour que je communique. Je les ai demandé l'agrément. Ils disent que c'est en cours, que c'est quand ça va sortir que je vais communiquer pour eux. Je ne peux pas compter le nombre d'entreprises que j'ai refusé que s'ils n'ont pas l'agrément, s'ils ne payent même pas nécessairement l'impôt libératoire, je ne peux pas communiquer. Mais toi, tu pars, tu racontes aux gens, tu expliques, ça ne suffit pas. Ce qui me fait faire encore cette sortie, c'est parce que j'ai reçu des voices où pendant que tu ouvres ta bouteille de champagne, là-bas avec des grands là-bas, à Dubaï, ce n'est que mon nom qui est dans ta bouche. Et partout où tu te retrouves, ce n'est que mon nom qui est dans ta bouche. Et je fais cette vidéo-ci pour expliquer à tous ceux qui me suivent. Je n'ai pas l'image que
Mouton m'a donné depuis un certain temps, jusqu'à me donner même un titre, il m'appelait tête de plume ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel problème tu as avec moi. On ne discute pas une même femme. Oh, je ne connais aucun membre de ta famille. Toi, tu ne connais personne de ma famille. Tu ne fais que passer partout, tenir mon image. Je ne sais quel intérêt. Mouton, il faut que tu arrêtes. Il faut que ça s'arrête. J'ai tout. Je t'ai dit, l'histoire de Dubaï que tu chantais les louanges. Moi, j'ai reçu les invitations. Et Bachiro ne m'a jamais donné une invitation. Il n'est pas le seul au Cameroun qui invite des gens à Dubaï. Certaines personnes m'ont invité et je sais que ils sont tous ensemble à Dubaï. Que moi, j'ai refusé. Je ne connais pas Bachiro physiquement. C'est après ton problème que Bachiro me contacte et qu'on discute. Il m'explique le fond de ton problème. Moi, je connais tout ce qui s'est passé. Parce qu'on m'explique tout avec les voix, tout. Et là-bas, tu bavardais les choses. Tu n'étais pas au courant que tout ce que tu parlais, on filmait. Méfie-toi. Quand mon histoire avec Ulem, c'est nous était sorti depuis 2020. En 2022, il a balancé mes vidéos sur Internet. Ça ne t'a pas lavé la tête? Méfie-toi avec ce genre de dégâts. Je ne suis pas venu ici dire que Bachiro est le Messie. Bachiro est ceci, Bachiro est cela. Parce que je ne le connais pas. Tout ce que tu as raconté sur Bachiro, c'est ton problème. Et chacun allait comprendre le voice de Bachiro et comprendre quel est réellement votre problème. Je ne suis pas ancré dans votre problème. Et si je suis venu attaquer ce dossier, c'est justement parce que je veux montrer à l'opinion internationale que tu n'es pas aussi juste. Je vais laisser un voice là. Écoutez bien ce voice où il supplie Bachiro pour que Bachiro l'invite à Dubaï. Écoutez bien ce voice. Et on revient juste après. Yo Bachiro, on dit quoi? Gars, je ne vais pas te dire merci pour ce que tu as fait. Pour moi, parce que si je te dis merci déjà pour ça, rien que cette considération là, tu vois, parce que c'est un truc qui s'est passé là, c'est un déclic. Je te suis depuis, je vois ce que tu fais, je vois, il y a les gens qui parlent de toi, c'était en bien, c'était en mal. Je vois, il y a les gens qui parlent de toi, c'était en bien, c'était en mal, mais est-ce qu'il faut s'accrocher sur ceux qui te parlent en mal? Non, le déclic encore, c'est la venue de Longue Longue quand tu as amené Longue Longue à Dubaï, parce que ça fait un tapage. J'ai dit, je vais taquiner ce gars. C'est mon frère camerounais, je vais le taquiner. Et je vais un peu parler de lui, je vais parler de ce qu'il fait. Et c'est parti d'un poste. Moi qui allais taquiner quelqu'un, mais je m'avais rencontré quelqu'un qui est plutôt très sérieux dans sa démarche. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Donc, mon frère, je vais pas te dire merci pour ce que tu as fait là, pour moi. Je vais te dire merci pour tout ce que tu fais de façon générale. Pour les artistes, pour tout le monde. Je te dis merci pour ça. Parce que même ce que tu viens de faire, ça fait partie de la généralité de ce que tu fais depuis des années. Merci pour ça. Vous avez bien compris comment c'est lui. Et il dit bien dans ce voice que les gens sabotent Bachiro. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé à Dubaï étant ignorant. Il savait bien. Donc il dit qu'il a bien compris comment on sabotait Bachiro. Mais lui, il a dit qu'il va voir avec les yeux. Maintenant, et c'est la même chose que William nous avait dit, que quand on t'appelle, on te dit, quand quelqu'un te dit qu'il y a les chics là-bas, tu parles, les chics ancrés dans tes pieds. Tu reviens encore pleurer. C'est toi-même qui as porté tes pieds pour venir pour que les chics entrent dedans. Et c'est la même chose que j'avais dit. Et je t'avais. Toi, tu parles maintenant. On te dit que Bachiro est si Bachiro est ça. Tu dis oui. Je vais voir avant d'accepter. Tu pars. Et tout ce que tu racontes, moi, je ne sais même pas. Parce que tout ce que Bachiro m'explique, j'ai entendu vos deux versions. Et chacun a entendu vos deux directs. Et chacun doit déterminer. Je ne veux pas venir raconter les choses que toi tu fais. Ça me sert à rien au sabotage. Parce que je vois les gens bien dire, je suis jaloux. Jaloux de quoi? Je suis propriétaire de deux entreprises. Je ne me vante pas, je ne me jette pas les fleurs. Vous comprenez? J'ai mes employés. Ce n'est pas ce que je fais sur les réseaux sociaux là seulement qui me font vivre. J'ai d'abord mon boulot qui est d'abord noble. Tu as ton boulot. Même si je suis venu faire dans les collages, les vidéos, donner comme impression que ton boulot n'est pas noble. Tu es vitrier, tu fais les trucs en alu. Tu gagnes des gros chantiers. Tu as des employés. Quand j'ai fait cette petite coupure-là, c'est juste pour te montrer qu'on peut, à travers une vidéo, donner une image à quelqu'un qu'il n'a pas. Tu as fait les collages sur moi, montrant que je suis un malhonnête. Combien de personnes ne me prennent plus au sérieux, mouton, à cause de toi, à cause de l'histoire de Harold. Pourtant, tout ce que j'ai dit était vrai. Pourquoi tu n'es pas allé sur le terrain? Vois-toi-même. On se connaît, mon frère. On se connaît où? Juste tu dis que tu vas arriver au Cameroun, tu vas venir me taper. Tu sais ce que tu te places devant moi, tu vas me taper? Voilà, quand tu as sorti, tu fais ta vidéo pour dire que
Tu as joué dans le, au rugby pendant 8 ans. Les gars, du moins 3 personnes du rugby m'ont contacté pour dire que tu dois expliquer où tu as joué, où tu as, dans quel club tu as joué, les championnats que tu allais jouer, à quel âge. Parce que sur ton passeport, on voit bien que tu es né en 91. Donc tu joues au rugby à 21 ans ou à 22 ans. Non, mon ami, à un moment donné, franchement, soyons sérieux. Et je t'ai dit, ce que j'ai dit pour clôturer, c'est que la nature ne trompe pas. Le moment va arriver et on va savoir qui est vrai. Tout ce que tu passes le temps à aller saboter le nom des artistes, je ne veux pas venir citer le nom des artistes que tu as aussi saboté. Parce que dans le Voice, il y a tous les artistes que tu as listés là. Je ne veux pas vous mettre dans les conflits parce que vous êtes ensemble tous les jours. Je vous vois ensemble, mais toi, tu ne l'as pas laissé saboter derrière le dos. Méfie-toi, gars. Le showbiz ne se passe pas comme ça. Tout ce que tu fais là, les gars sont en train d'enregistrer. Et ça va te condamner après, si tu ne connais pas. Tu dis que on n'achète pas ta conscience. Et tu fais la publicité de Bachiro pendant un mois. Tu appelles ça quoi? C'est pas ta conscience qu'on a acheté. Tu acceptes d'aller à Dubaï. Toi, tu es le seul artiste qui est allé à Dubaï. On n'a pas amené au désert. Tu veux expliquer à tous ceux qui nous regardent le pourquoi Bachiro ne t'a pas amené au désert? Tu veux que je vienne détailler tout ici? Mon ami, fais attention. Parce que si tu entres encore dans ma vie privée, c'est où on ne va pas s'entendre. Ne parle plus de mes affaires. Où tu viens, tu sabotes même derrière mes entreprises. Je suis pauvre photographe, j'ai faim et tout ça. Tu ne me nourris pas et tu nourris aucun de mes enfants. Tu nourris aucun membre de ma famille. Respectons-nous. Respectons nos métiers. C'est tout ce que je te dis pour clôturer. Passe une bonne journée. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.